Alors, pour cette première vidéo, les gars, on va ouvrir un deck. Donc, un deck de quoi? Donc, c'est, je crois, la dernière série, c'est Pokémon épée et bouclier, temps ténèbres embrasées. Donc, du coup, bah, on va ouvrir ce pack. J'avoue, je l'ai déjà ouvert, mais je voulais vous parler. En fait, je l'ai déjà ouvert, mais j'ai pas ouvert les autres trucs à côté. Donc, du coup, bah, je vais vous faire pas présenter. Donc, si j'ai acheté le pack de Darumacho, de Galar, de Feu et de glace. Donc voilà. Donc on va commencer par les autres trucs moins intéressants pour l'instant. Donc les trucs comme ça. Donc là c'est des points de combat. Je vous les montre. Ça je l'utiliserai pas parce que je suis un collectionneur bien sûr, mais ça sert toujours pour vous le. Peut-être je le mettrai en vente sur eBay. Voilà, peut-être. Donc je le mets juste ici. Après, on attaque avec un petit paquet. Je sais même pas c'est quoi d'ailleurs. Je sais même pas c'est quoi. Donc c'est que vous voulez faire de votre. Donc c'est un petit paquet comme ça, je vais l'ouvrir avec vous un peu. Voilà, on l'ouvre tout de suite. Ça, on a pas besoin, c'est un booster. On va craquer en 1000. Voilà, donc c'est des petites cartes comme ça que je mettrai, que je mettrai dans ma vitrine. Parce que moi, je suis en collectionneur et du coup, bah, je joue pas. Ça explique tous les. Voilà, regardez. Tempoisé, mouton. Ça montre plein de trucs pour jouer, hein. Bien sûr, ça c'est des cartes de jeu, c'est pour le jeu. Et ça, j'ai mis le fond de Darumacho et de pas l'artichaut. Attendez, je vous montre. Pas l'artichaut. J'ai mis ce fond parce que j'ai en fait, c'est un plateau de jeu, mais je l'ai mis pour truc. J'ai plein d'autres plateaux de jeu, donc je vais en mettre un par vidéo, les gars. Et voilà. Après, il y a un petit bloc-notes, comme ça, on va dire, un petit cahier. Il est magnifique. En vrai, il est beau. En vrai, il est beau. C'est un besoin d'aide pour jouer encore, bien sûr. C'est un guide pour jouer. Regardez, il montre tout, la pile, le banc. Il montre vraiment tout. Voilà, les gars. Et les gars, prochaine vidéo, je vous montre toutes mes ex anglaises que j'ai achetées en Angleterre. Toutes mes ex anglaises, je vais vous les montrer dans la prochaine vidéo. Vous allez voir, j'en ai vraiment beaucoup. Parce que moi j'aime bien les cartes anglaises, mais les françaises, franchement, c'est mieux les françaises, donc franchement on va pas se le cacher, mais les anglaises aussi c'est bien pas mal. Voilà, et après on passe au dé. On passe au. Donc les gars, on passe à la partie qui vous intéresse le plus, je pense, le deck. Alors le deck, les gars, franchement, je vais pas dire de la merde, mais franchement, il est magnifique. Il est magnifique. En fait, j'ai vu sur YouTube les cartes qu'il y avait dedans, mais j'ai pas encore vu tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, donc on va l'ouvrir tout de suite. Voilà, je vous mets d'abord le. Je vous mets les cartes de côté. Hein. Un petit pins. Pokémon de Darumacho. De Gala. De glace. Franchement, je préfère celui-là de feu, moi, mais bon. J'ai acheté celui-là de glace parce que il n'y en avait plus de celui-là de feu. J'ai pas tout, par exemple, j'ai mélangé un peu. Les cartes sont neuves, hein. Franchement, les cartes, regardez, aucun pont blanc, ils sont neuves. Toutes les cartes pouvoir, ils sont neuves. Donc, on va commencer. Est-ce que je fais un petit zoom? Non, c'est bon, en vrai, c'était bon comme ça. Ouais, c'était bon, c'est bien zoomé, je pense. On commence avec un petit fortifiant turbo. Darumarron de Galar. Paul la griffe, encore une fois, désolé. Ornithologue. Grand saut. Polarune. Goélise. Ornithologue. Énergie de type eau. Un petit kangourex avec une magnifique illustration. Avec son petit bébé dans la poche, il est magnifique. Une énergie, encore une fois, une énergie. La Super Bowl. Recherche professorale. Nabil. Énergie haut, encore une fois. Un petit kangourex. Une énergie haut. Polarune. Petite carte, Polarune. Un béquipant. Une énergie de type eau, encore une fois, il y a beaucoup. Ouais, c'est un deck eau. Oh, je savais. Ouh. Oh, celui-là, il est bien.
C'est. Il est. Oh, elle est magnifique cette carte. C'est un Darumacho de feu. Du calard, bien sûr. What, il est trop beau, hein. Il est vraiment trop beau, hein. C'est une rare, simple rare, mais franchement, elle est belle. What, il y a des énergies à l'envers. Type O, énergie. Waouh, un fou sardine de suie. Focus. Fou sardine de suie, oui. Oh, c'est là. 50, il y a 140, 189 cartes dans cette série Ténèbres embrasées. Un petit Nabil. Une énergie de type O, encore une fois. Je vous montre rapidement parce que la vidéo va durer 15 ans. Voilà, un petit Goélise. Échange. Travis. Nabil. Béquipan. Grand saut. Fou sardine. Fortifiant. Turbo. La Super Bowl. Sonia. Énergie O. Encore une fois, une énergie O. Pour la rhume. Ouais, il suit qu'une. Je savais pas qu'il y avait ça. Petit Pokémon légendaire. En plus, il est magnifique. Suicune. Ils ont mis Suicune. Ah, ok. Ok, pas de problème. C'est bien. On continue. Continue. Darumaronde de Gala. Encore une fois, Darumaronde. Énergie. Goélize. En vrai, c'est les mêmes. Hein. C'est pour jouer. Je vous l'ai dit, c'est un deck pour jouer. C'est un deck de joueur. Voilà, Darumaronde. Oh. On l'a pas eu celui-là. Non, mais non. Petite carte. Trévis. Suicune. Et Darumacho en holo. Elle est magnifique celle-là. Attendez, mais celle-là, je pensais pas qu'elle était dedans. Si, elle est. C'est vraiment de la série en plus. Il y a des ténèbres embrasées. C'est vraiment la carte de la série. Bon, bah franchement. C'est un petit deck bien cool. C'est un petit deck cool. Franchement, ça va, il est pas mal. Avec l'holographique que je vous montre de suite. Ah, elle est magnifique, hein, franchement. Je l'avais déjà, mais en rare, je crois que j'avais ouvert des boosters, je l'avais eu dans la rare. Voilà. Donc les gars, on va faire un petit récap, même si on n'a pas. C'est pas une ouverture de booster. Donc voilà, une pile. Avec une petite holo. Ça c'est pas un truc mais je le mets dedans parce que mon voisin me l'a donné. Donc voilà, merci à toi, je te fais une petite pub. Voilà, le pins. Le petit pins de Down la Ronde, on va le mettre dessus. Bah le deck, enfin ouais le deck. Je le mets ici. Le guide. Il est magnifique le guide hein, franchement. Je vais le garder. Je vais le garder. Le guide. Les points d'attaque. Voilà les points d'attaque. Et ensuite. Les trois cartes guides en vrai pour t'apprendre à jouer. Mais moi comme je le dis, je suis pas joueur, je suis collectionneur. Donc voilà. Donc je vous montre, voilà tout le récap des petites affaires d'aujourd'hui. Ça va, franchement, je suis content de mes achats. Je suis content. On a eu presque, on va dire 70 cartes dedans. Oui, 70 cartes. Facile. Plus un pins et voilà. Il est magnifique le pins. Je vous montre de près. On focus. Ça va, j'ai une bonne caméra. Voilà. Et voilà, donc voilà les gars, donc je voulais vous dire que j'ai commencé YouTube, et ça me fait vraiment plaisir de commencer YouTube comme ça, avec un bon matériel, franchement je me plains pas, j'ai un bon matériel, un vraiment bon matériel, et franchement je suis contente de commencer comme ça, j'espère que vous allez m'aider vous aussi, hein. Je vais bien bosser, j'espère que vous allez m'aider. Et franchement, je suis vraiment contente de commencer YouTube aujourd'hui. Voilà, c'était Ntini. Ciao!